Good morning, Aleïda, je suis aujourd'hui le Nishmat, François Vajibin Khana, Janine Ruth, Bad Fortune, Mazal Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom, et Ishaya Ben Nida. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous, c'est une Massech Ben Chot Perek Bet, Mishnah Gimel, Akore et Shema, Velo Ishmia, Leozno Yatsa, Rabbi Yossi Omer, Lo Yatsa, Kara Velo Digdek Beoti Otea, Rabbi Yossi Omer Yatsa, Rabbi Yuda Omer, Lo Yatsa, Akore le Mafrea, Lo Yatsa, Kara Vetaa, Yachazor, la Makom Shetaa. On s'intéresse dans notre Mishnah au halakhot sur la manière de lire le Kriyat Shema, plus précisément comment prononcer les mots, dans quel ordre le dire, comme ce qu'on va voir tout de suite. Akoret Shema velo ishmiya leozno. Celui qui lit le Shema mais qui ne sort pas de son suffisamment haut pour qu'il entende à ses oreilles. Vous imaginez la scène? Imaginez que je donne un... D'accord? Il prononce avec ses lèvres sans exprimer les mots sans qu'on puisse l'entendre, sans que lui-même s'entende, même doucement. Il fait bouger ses lèvres sans. Donc, à Koret Shema, celui qui lit le Shema, Velo Ishmiya Leozno, mais il ne fait pas entendre à ses oreilles. Yatsa, il s'est quand même acquitté de sa mitzvah selon le Tanakama. Parce que, et Rabbi Yossi Omer, lo Yatsa, Rabbi Yossi Omer, il ne s'est pas acquitté de sa mitzvah, parce que la Torah, le passage me dit, Shema Israël, écoute Israël, donc écoute ce que tu dis, si tu t'entends pas, à quoi ça sert de dire. La Torah est établie comme Tanakama, a posteriori, d'accord? Mais a priori, il faut s'entendre. Il faut prononcer suffisamment haut pour qu'on puisse s'entendre. Ensuite, deuxième sujet. Kara velo digdek beoti otea, Rabbi Yossi Omer Yatsa, Rabbi Yuda Omer lo Yatsa. Celui qui a lu, mais sans bien prononcer les lettres. On va expliquer après précisément ce que ça implique, mais il lit mal. Pas exact, pas comme c'est écrit. Il lit tous les mots, mais mal dit. Rabbi Yossi Omer Yatsa, Rabbi Yossi me dit qu'il s'est acquitté. Rabbi Yuda Omer Lo Yatsa, Rabbi Yuda me dit qu'il ne s'est pas acquitté. C'est quoi qu'il a lu sans bien exprimer les lettres? C'est pas qu'il a lu, vous savez en hébreu, c'est la difficulté un petit peu de l'hébreu, c'est la beauté de la Torah d'ailleurs. Rabbi Yuda Omer sur la Parchat Balotra qui parle de ça d'ailleurs, que en hébreu on a distingué les consoles et les voyelles. Les consoles, elles sont écrites dans cette Torah, c'est les otiot, et les voyelles, c'est le nikoud, kamatz, patar, tseré, shva, segol, chirik, kubutz, shuruk, et donc ça c'est le nikoud. Maintenant, quand on a dit Kara velo digdek botiatea, c'est qu'il a, prononcé le bon nikoud, mais il a mal prononcé, il a mal dit la lettre. Elle était mal, pas bien coupée. Ça implique, par exemple, Vavadetem mehera. On a un mot qui se finit avec un mem et qui commence le mot suivant avec un mem. Naturellement, les gens vont dire Vavadetem mehera. Vavadetem mehera. Et quoi ça fait? Vavadetem mehera. Vavadetem mehera. Il y a deux mems. Il faut s'interrompre pour qu'on puisse entendre couper bien le même. Il y a, je ne sais pas, il y en a encore plusieurs, il rapporte encore plusieurs exemples. Bon, cherchez chaque fois, en général, c'est très simple, chaque fois qu'on va avoir un mot qui se finit avec une même lettre et qui commence le mot suivant avec une autre lettre, là-bas, on aura sujet à problème. Que si tu t'interromps pas, alors on va entendre que c'est tout en un mot. Ou il y a encore un mot qui se finit avec une lettre, et le mot suivant qui commence avec un aleph. Comme les gens ils diront Baruch Ata, pas Baruch Ata, c'est Baruch Ata. Baruch Ata, tu coupes les mots, d'accord? Vous avez compris le principe? Ça, ça s'appelle les Dagdek Botiotea, ou encore, même encore, les Dagdek a bien précisé encore bien le Nikoud. C'est pas Shema, c'est Shema, il y a un Shema, na, mais c'est Shema, c'est pas Shema. Vous comprenez quelqu'un qui avait assis une fois, assisté à un cours, qui ne fallait pas dire Shema Israël, il fallait dire Shema Israël. Une joue, c'est bien dire Shema Israël. Eh, il n'y a pas un serré, il y a un cheval. Alors tu le fais Shemana. En musique, ça sortirait que c'est soit une croche, soit une noire, soit une blanche. Alors, il y en a qui vont même avec une ronde. Shema. D'accord? Oui. Un demi-temps, on tient en un temps, deux temps, quatre temps. D'accord? Ça, c'est le principe. Il faut faire attention. Les man tiskeru avec un zaïn. Et pas les man tiskeru. Les man tiskeru. Tiskeru, c'est. Afin, les man tiskeru, afin que vous allez. Vous souvenir, la chaîne Zikaron, et tu fais les mains Tiskeru, alors ça devient avec un signe, comme ça vous allez recevoir du salaire. T'as modifié complètement le sens. Fais attention à lire comme il se doit. D'accord? Bien précisé, il faut apprendre à bien parler.
les lettres qui sont, il y a le fé et le pé, le vet et le bet, préciser, le faire comme il faut, concrètement. Donc, là, la fin est retenue comme Rabbi aussi a posteriori, que tu t'es acquitté, mais a priori, tu dois faire attention à bien le dire comme il se doit. Ensuite, « Akorel et mafrea lo yatsa » Celui qui lit le schéma a reculons. Il ne s'acquitte pas. C'est-à-dire qu'il y a un ordre dans les psukim. Tu dis le pasuk Aleph, pasuk Bet, pasuk Gimel. Par exemple, tu fais imagine que tu arrives au pasuk du pasuk Aleph, tu passes au Gimel et tu réalises que tu as oublié le pasuk Bet. Tu te reprends au pasuk Bet. Mais après, tu ne reprends pas Pasuk Dalet, tu dois reprendre dans l'ordre. Bet, Gimel, Dalet. D'accord ? Et dernière partie de la Mishnah, Kara Veta'a, Yachazor, la Makom Sheta'a. Si tu as lu et tu t'es trompé, eh bien tu dois reprendre là où tu t'es trompé. C'est une grande règle à chaque fois que tu as un doute. C'est fréquent quand on se laisse un petit peu rêver pendant la Tfila. Je commence une phrase, je commence à Shayo Shvevetecha, et puis en plein milieu, je suis en train de dire le Birkat Amazon. Ça arrive. La solution à tout ça, c'est très simple. Tu repars à l'endroit où tu es sûr que tu l'as dit, de là-bas tu repars en arrière et tu redémarres et tu relis tout ce qu'il faut. Donc j'imagine, si tu te rappelles que tu as dit le pasuk Malchutra, Malchut Kolayim, Shadrach Vador, après tu as commencé à rêver de tes problèmes, parce que tu as parlé le rôle d'Orvador, ça t'a mis à penser, tu t'es mis à penser à ta banque, à penser à tes vacances, à tes vacances, à tel ami, et puis et tu te retrouves en plein Birkat Amazon. Alors c'est simple, si tu es sûr que tu as dit le pasuk Malchutra, Malchut Kolayim, tu repars là-bas et tu commences à partir de son mère Hachem. Et tu reprends à partir là-bas, tout à la CDR. Même chose avec le schéma, tu t'es embrouillé, c'est fréquent avec le pasouk. Il y a des pasouks qui se ressemblent dans le premier parachat, le deuxième parachat, sur les tefillines. Alors là, si tu as un doute, eh ben, tu reprends en arrière depuis la première parachat. D'accord? Tu sais plus si tu avais dit Urtata, Nozot, Betro, Visharecha, c'était la fin de la première parachat, ou Visharecha, Lemani, Bouyamechem. Tu as un doute, tu reprends depuis la première parachat là. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.